toi, tu auras un exposé, c'est ça? Je suis en train de réviser mon exposé. Donc, tu dois le présenter bientôt? Il y a tous les exposés au tableau sur une post-it. D'accord. Donc, toi, tu l'as écrit et puis là, tu le relis, etc. pour être sûr de bien le lire. Oui. Hein? Donc, quand vous présentez un exposé, vous le lisez ou bien vous le faites de mémoire? On le lit ou on peut le garder de mémoire. D'accord. Hein. Et après, les autres, ils posent des questions? Oui, ils posent des questions. D'accord. Hein. Et si quelqu'un, si tu ne sais pas les réponses? On dit je ne sais pas. On dit je ne sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres qui reprennent les recherches que tu as? Non, c'est pas... Et souvent, d'ailleurs, il y en a qui répondent. D'accord, qui répondent à ta place. Je suis en train de travailler sur mon exposé. Tu cherches des illustrations ou bien tu... Oui. D'accord. Et donc après, une fois que tu as trouvé une illustration, comment tu fais? Tu l'imprimes ou tu... tu fais un diaporama? Oui. D'accord, donc tu insères l'image. Comme ça, tu vas faire un diaporama pour ton exposé. Là, tu fais ça. Et voilà. Et c'est ça. Merci. Merci. Si t'as besoin d'aide, je sais. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais mon exposé sur les rois de France. Oui. Donc, j'ai un livre de l'histoire de France. Donc, dedans, il y a Henri IV, oui. Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Louis XIV. Donc tu lis ça et puis après comment est-ce que tu vas organiser ton exposé? Il est en train de prendre la clé USB pour charger notre diaporama qui est là-bas sur celui-là. Donc vous l'avez déjà fait votre diaporama? Pas en entier, on l'a pas fini. D'accord. Et pour chercher les informations, comment vous faites? On va essayer de chercher sur des livres, sur l'ordinateur, sur les modules de recherche. Des fois, il y en a un. Alors lequel là? Non mais l'exposé c'est lequel? Celui sur les bois morts, tu veux faire quand là? Cette semaine là? On sera l'après-midi aussi alors. Hein. Louis XIV, Louis XIII, Anne d'Autriche et Marie-Thérèse. La tour de Granit, c'est le château de Charlemagne. La Bastille, c'est le château de Versailles. C'est la tour de Charlemagne. Oui, la tour. Chenonceau, c'est la femme de François Ier. D'ailleurs, elle s'appelle comment? Mais c'est sûr que Chenonceau, c'est... Chenonceau, ça, c'est le château qui est construit sur un genre de pont. Hein. Oui. T'es déjà allé visiter, toi? Louis XIV. Louis XIV vivait à Versailles. Appréciait beaucoup la danse. Il partit à Versailles à cause des émeutes, soulèvements populaires. Louis XIV n'a pris que 3 bains dans sa vie. Pourquoi t'as fait une petite rose là? Je sais pas. Parce que les médecins disaient qu'il ne fallait pas se laver. En 1601, la mort de Mazarin, Louis XIV a 23 ans. Il est en âge d'être roi. Il emprisonne ses ministres. T'es sûr que c'est pas Louis XIII qui fait ça? Je crois que c'est Louis XIV. Vous vous souvenez si vous l'avez pas vu, ce que veut dire le mot souvenir? Je l'ai noté, mais c'est en anglais. Ah bah. Alors, Gabriel, elle nous a expliqué hier ce que voulait dire l'acronyme de SONAR. Donc on l'a en anglais. Et tu te souviens la traduction française qu'elle avait donnée? Tu peux lui demander. Mmh.
Tu vois, moins fort là, les rois. Là, tu vois, c'est un peu fort. Alors, donc vous vous préparez l'exposé, là, c'est ça? Moi. Hein? Et lui, c'est le spectateur. Oui. D'accord. Donc tu vas tout à l'heure, tu vas dire l'exposé. Hein? Tu vas le lire ou bien tu vas comment tu vas faire? Ou bien tu vas t'en rappeler? Je vais beaucoup lire parce que je connais pas mes textes. Ouais. Par de ça. Et je vais un petit peu dire. Et après ton exposé ou pendant, il y a des questions? Mais c'est après l'exposé. Après l'exposé, donc tu fais l'exposé en entier et après on te pose des questions. Ouais. Et soit tu réussis à répondre, soit tu sais pas. D'accord? Si tu sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis que je sais pas. Que tu sais pas, voilà. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui savent les réponses ou bien vous faites d'autres recherches après? Si elle ne sait pas et personne ne sait, c'est plutôt le maître. C'est le maître qui donne les indications, d'accord. Et après, vous mettez ça sur le blog ou bien vous l'imprimez ou bien non, vous quelque chose? Non, rien, c'est juste qu'il met un mot comme quand on a fait l'exposé. D'accord. L'exposé. Et puis les autres, ils doivent prendre des notes ou Oui, il y en a trois qui vont prendre des notes pendant l'exposé. Et après? Ben après, ils écrivent. Ils écrivent ce qu'ils ont compris. Oui, ce que j'ai dit. Et après, toi, tu vérifies ou bien tu... Non, c'est Jean-Charles qui vérifie. Oui. D'accord. Oui. Je vais vous présenter mon exposé sur l'Espagne. Là, c'est la France et c'est l'Espagne. La capitale est Madrid. La superficie est de 505,996 km². Malgré le dynamisme de son économie, l'Espagne est confrontée au vieillissement de sa population, comme la majeure partie des pays européens. Les nombreux habitants, il y en a 399 024 000. Les spécialités, donc il y a la paella, le churros, le chorizo, la tortilla. Il y a des questions? Maintenant, je vais voir qui est déjà allé en Espagne. Donc la question, elle s'adresse principalement aux personnes qui sont déjà allées en Espagne. Donc là, Colline nous a présenté quelque chose sur l'Espagne. Donc ceux qui sont allés en Espagne, on peut considérer qu'ils connaissent d'autres choses sur l'Espagne. Donc on aimerait bien avoir des compléments d'information de votre part. Il y a une région de France qui est aussi dans le territoire de l'Espagne. C'est le Pays Basque.